je parle pas du tout kazakh ni russe, donc c'est pas forcément facile d'échanger. Je suis super contente que vous échangez, même si vous êtes en apprentissage du français. Voilà, bah, du coup, je sais pas si certains d'entre vous auront l'occasion d'être là demain soir au concert. Ok, bah, génial. En tout cas, moi je suis venue pour une série de trois dates. Donc il y avait Oskimen qui était hier soir, demain soir à Astana, et puis dans trois jours à Almaty. Et voilà, je suis très contente, c'est M. Philippe Martinet qui m'a invité, que j'avais rencontré en Chine il y a quelques années dans le cadre de concert que je faisais là-bas. Et voilà, donc je suis ravie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi je viens de Paris. J'ai vécu à Paris toute ma vie. Vous pouvez commencer à raconter votre impression en peut-être de 3 jours, 2 jours en Kazakhstan. Qu'est-ce que vous pensez déjà? Alors, bah, c'est difficile parce que j'ai pas vu énormément. Enfin, au schéma, si j'ai eu la chance de pouvoir me balader avec une locale qui nous avait visité la ville. J'étais très agréablement surprise parce qu'à Oskemen, la salle était vraiment pleine et à l'écoute. Alors que quand j'ai posé la question au début du concert, est-ce qu'il y a des gens qui parlent français, il y a eu un blanc total. Donc c'était un moment de solitude et en même temps, on a vraiment échangé pendant le concert, même si on ne parlait pas la même langue, on parlait quand même en musique et puis le public pouvait reprendre un peu certaines parties des chansons. Donc, au final, c'était pas du tout un moment de solitude. Donc voilà, et je trouve que, en tout cas, le public kazakh est très curieux. Et ça, c'était hyper agréable de faire un concert du coup avec un public curieux.